Réaliste et très appliqué, Cornet, 17 fautes directes, a profité des nombreuses erreurs de l'Allemande, 41, pour filer au troisième tour. La performance est d'autant plus remarquable que la 42e mondiale n'avait jamais battu Görges lors de leurs 5 confrontations précédentes. C'est la première fois depuis 2015, et la 5e fois en carrière, qu'elle atteint ce stade de la compétition à Melbourne. Elle s'est emparée du service de Görges au 6e jeu du premier set point mené 5-4. Elle a commis une double faute pour offrir la manche à Cornet.